Bonjour et bienvenue dans ce webinaire d'Espace et pour le Salon des maires sur les portails et le contrôle d'accès. Je suis Benoît Azen, le responsable de la communication chez Espace, et voici Laure Poirier. Directrice générale des établissements Espèces. Bonjour à tous, bonjour Benoît. Bonjour. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec tout simplement le sommaire, hein. Espèce, qui sommes-nous? On est assez connu dans la région, généralement. Bon, on fête cette année nos 180 ans. On existe depuis 1840, mais le Covid avait un petit peu La retardé les société, pas festivités. nous. Non, on n'est pas si vieux. Ça, même à deux, on n'arrive pas à 180 ans. Mais voilà, on va donc fêter le 2 octobre. On fêtera nos 180 ans avec aussi l'inauguration de nos showrooms portés sur Garonne. Une porte ouverte. Voilà. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une petite présentation de nos activités et de notre historique. Ensuite, on fera un point sur chaque accès à son portail et chacun à son portail. Donc, on va déterminer quel portail peut vous correspondre sur vos infrastructures et notamment aussi sur votre budget. Ensuite, on fera un point sur le portail en lui-même et sur la réglementation qui s'y applique, parce qu'il y a pas mal de points de vigilance à avoir là-dessus. Et ensuite, on fera un point sur le contrôle d'accès, puisque la confiance, comme le dit la maxime bien connue, n'exclut pas le contrôle. Donc, on regardera un petit peu quelles sont les options maintenant, à l'heure actuelle, un petit peu du digital et des téléphones, sur comment gérer tous vos contrôles d'accès pour ne pas avoir 100 000 bips qui se baladent dans la nature et dont on ne sait plus où ils sont. On vous laissera à la fin un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à nous recontacter par la suite aussi si vous avez des questions spécifiques à un projet. Donc, Espèce, comme je disais, existe depuis 1840. On est implanté en Occitanie, plus spécifiquement à Toulouse. On a un magasin qui était en centre-ville dans les années 1900, en centre-ville rue du Rempart-Saint-Étienne, et un atelier qui était un petit peu décentré sur la côte pavée rue Raspail. Dans les années 60, on s'est installé porté sur Garonne avec la création d'un magasin et aussi d'une usine complète. Et dans les années 90, on a agrandi tout ça avec des bureaux et d'autres agences, pardon, à Perpignan, Nîmes et Montpellier. Et ensuite, voilà, nous arrivons en 2020 où nous allons pouvoir fêter nos 180 ans, un petit peu décalé à cause du Covid, mais voilà, c'est une belle année, une belle longévité pour Espèce. Et ses produits. Donc, comme je disais, c'est un savoir-faire qui est ancré sur l'Occitanie, sur Toulouse et la Haute-Garonne depuis 180 ans. On est des spécialistes de la délimitation, de la protection du périmètre, des bâtiments, des enceintes, avec notamment la clôture, mais surtout le portail, qui est un élément prépondérant de la sécurité et du contrôle. Tous nos produits, que ce soit les portillons, les grillages, le portail, enfin les portails, sont de fabrication française exclusivement. Exclusivement. Voilà, je suis un petit peu bafouillé en le disant. Je vais Mais voilà, c'est quelque chose auquel on tient et t'aider. voilà, le savoir-faire est resté ici, hein. C'est un savoir-faire qui date effectivement depuis longtemps sur la Et plus d'un siècle. soudure, sur d'autres produits aussi. On a effectivement encore des machines qui datent de plusieurs dizaines d'années, pardon, et qui ont été fabriquées pour le grillage, par exemple. Avec une technologie ancestrale qui est Voilà. l'ondulation du fil. Et qui sont encore ici présentes dans nos ateliers. Donc, Espèce, c'est toute une large gamme de produits, du portail aluminium plutôt tendance pour le particulier, la sécurisation de la piscine, les aménagements publics, les stades. Espèce, on vous propose vraiment une gamme très large qui saura répondre à tous vos besoins. On le voit sur les photos, on a de la délimitation de stades, on a aussi. La Beluga pour la piscine, on peut avoir aussi du panneau renforcé pour les sites sensibles, les portails, comme la slide suivante. Ça va de la lisse main courante pour les stades, au petit portillon de jardin, plutôt un joli portail avec un remplissage qu'on appelle aléatoire, donc un peu moins classique que le barreau Des 25-25 choses. 30-20 qu'on peut voir sur les sites industriels. Ou les écoles, ou les mairies, choses comme ça. Voilà, jusqu'à la barrière barodée qu'on voit pour le skatepark. Et Ah oui. effectivement, les écoles sont un des lieux qui est vraiment important pour Espèce, puisqu'on fournit les clôtures, les portails, tout ça aux normes, évidemment. Donc, c'est très important.
On est reconnu aussi pour la qualité de nos produits, mais surtout pour le service auprès de nos clients institutionnels tels que la mairie de Toulouse, les mairies de Palma, Blagnac, Cazères, Colomiers. Ne fâche Et personne. voilà, je ne vais pas tous les citer parce que la liste est un peu longue Et tant mieux. pour tous les citer, mais voilà, généralement, on reconnaît un petit peu de produits espèces partout. Et espèces, comme on le disait, hein, le savoir-faire d'artisan depuis assez longtemps, mais aussi on est adossé à un grand groupe qui est leader de la culture en France. Et donc, on bénéficie aussi d'innovations sur des produits et sur la qualité du service qu'on a gardé au centre de nos préoccupations, avec un service de proximité, avec de la livraison, des personnes disponibles pour vous écouter, pour vous faire des devis rapidement, des gens qui sont spécialisés pour tout ce qui est mairie, communauté d'agglomération, donc qui ont l'habitude de traiter avec vous et qui savent comment fonctionnent les bons de commande, etc. On n'est pas un concepteur, un fabricant de produits. On est aussi là pour proposer nos conseils, hein, aussi bien dans la réalisation des produits, mais aussi dans leur mise en œuvre. C'est important que chaque produit corresponde à une problématique. On aime bien être apporteur de solutions et de vérifier que le produit qui est envisagé par le donneur d'ordre correspond bien finalement à la situation. Chaque typologie est différente, de problématique est différente, donc on pourra trouver une solution extrêmement précise Adapté. pour répondre à toute la demande que vous avez, même si c'est des demandes qui sont vraiment spécifiques avec des problématiques de terrain ou de hauteur ou de coloris ou autre. Oui, enfin, par exemple, tout bêtement, on adapte les mailles de nos produits. Hein, si on vient sur les produits originels, hein, que sont les produits de clôture, quelle est la maille qu'il me faut lorsque j'ai un chien, un chat, une poule, où je ne veux pas que les batraciens passent, etc. Enfin, on est formé et habitué à ce type de demande et avoir les produits en face. Voilà, et on refera la même chose pour le portail, Oui. puisque on adaptera en fonction de ce que vous souhaitez, de la tôle, du baroudage, etc., en fonction de Est-ce que ça a besoin l'environnement. d'être joli, sécuritaire? Est-ce que ça a besoin d'être dissuasif? Est-ce qu'on a besoin d'y mettre de l'anti-franchissement, etc. Aujourd'hui, on est capable de concevoir un portail, par exemple, avec du bas-volet et de la ronce ou du tigre en partie haute. Ce sera une réponse adaptée à la fonctionnalité que vous On ne met pas souhaitez. ça dans les écoles, bien sûr. Non, Voyez? on peut, mais je Mais l'espère voilà, sortir à tout midi. pour vous dire qu'on est capable du petit portillon jusqu'au grand ouvrage avec tous les organes de sécurité et tous les anti-franchissements possibles. Donc, vous pourrez voir le sérieux de nos produits dans de nombreuses villes qui nous font confiance, hein, que ce soit à Toulouse, à Cugnot, à Colomiers, à On commence Verfeil, à Muret et autres. Tout simplement, quand vous allez dimanche au bord du stade de rugby, généralement, la main courante, elle est le côté espèce. Oui. Il y a souvent des portails, des clôtures avec le profil espèce spécifique. Donc, voilà, on est assez connu dans la région. On est là depuis longtemps parce que nos produits sont de qualité et nos services aussi sont de qualité. Bon. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le portail. Donc, à chaque accès, son portail. Chez Espèce, on vous propose des solutions pour toutes vos infrastructures et qui répondent à chaque problématique. Les portails se distinguent en trois types de structures. Oui, alors les pivotants, les coulissants, les autoportants. Tout le monde connaît bien sûr la différence entre un pivotant, un coulissant, un autoportant. Blague à part, un pivotant ou battant, donc c'est une ouverture en deux temps. Vous avez les coulissants, donc par définition qu'ils coulissent sur un rail au sol, et vous avez les autoportants qui sont autoportés grâce à des montures à galets qu'on va trouver dans la poutre basse. La différence entre les deux, coulissant et autoportant. Ce que je viens de dire, en fait, c'est le rail au sol. C'est vraiment ça. Visuellement, c'est ce qui va faire la différence. La différence, elle est majeure dans le cadre d'une installation, puisque vous avez besoin d'un gros génie civil lorsque vous décidez de poser un coulissant. Ce n'est pas du tout le cas sur un autoportant. C'est ça, sur le coulissant, on va devoir faire une longue grille de X mètres en béton, de couler le rail Ex dedans, et etc. etc. Avec les temps de séchage, etc. Et donc, vous bloquez l'accès à votre site. Ça, c'est important de le savoir. Alors, l'autoportant est un tout petit peu plus cher, mais quand vous cumulez les temps de blocage, les temps de pose, les temps de séchage, il est bien plus intéressant d'avoir un autoportant sur site qu'un coulissant, ne serait-ce que pour l'entretien. Parce que le rail, ça veut dire ça ne supporte pas de déformation, hein, donc il ne faut pas que ça se déforme, il ne faut pas qu'il y ait de cailloux, etc. Nécessite un entretien, un balayage, les gens ne le font pas souvent d'ailleurs. Pour ça que ça grince, pour ça que ça peut couiner à certains moments. Donc l'autoportant, c'est vraiment un produit dit nouvelle génération. Aujourd'hui, c'est une part importante de nos ventes. Là où il y a encore quelques années, on voyait principalement des battants, ensuite des coulissants.
portants et sont. Et ensuite est arrivée la génération des autoportants. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces produits-là, les coulissants et les autoportants, sont disponibles sur insert. C'est-à-dire qu'on peut préparer néanmoins le génie civil des poteaux en amont. D'accord. Là, pour le coup, on bloque pas le site. Pour une pose plus rapide. Pour une pose plus rapide, le portail est livré sur chantier. L'installation, grosso modo, juste pour la partie mise en place, c'est 2 heures. D'accord. Rapide. Rapide. Une question sur les pivotants. C'est obligé d'avoir les deux vantaux égaux, 50-50. Alors, de série et sur stock, puisque on verra les deux gammes tout à l'heure. Il y a une gamme que je tiens en stock. Oui, mais à la commande et à la demande, on est capable de faire du 2/3, 1/3, par exemple, en fonction de la typologie du site à fermer. Ok, très bien. Justement, Espèce donc dispose de 2 gammes de portails qui répondent à des attentes distinctes, la gamme Eco et la gamme standard. On parle de la gamme Eco ? On peut parler de la gamme Eco. Donc, la gamme Eco, comme son nom l'indique, elle est économique. Donc, elle est économique et à ce titre-là, on l'a standardisée et on l'a limitée. Donc, elle est limitée dans ses garanties. Donc, vous voyez que l'anticorrosion est 5 ans, la motorisation est 2 ans. Ça, c'est valable sur les deux gammes. Mais on l'a limitée dans sa partie structurelle, dimensionnelle et fonctionnelle aussi, puisque la gamme Eco, elle existe en. Et on le verra tout à l'heure, je crois, elle existe en manuel ou motorisé. Les râles aussi, c'est limité en nombre de râles. Les râles, c'est quoi ? Ah, les couleurs, pardon, les mises à la teinte. Donc, tous nos produits sont thermolaqués pour cette raison qu'il y a une garantie minimum de 5 ans anti-corrosion sur nos ouvrages. Voilà. Ça convient à tous les usages, la gamme ? Alors, ça convient à tous les usages et on va avoir cette réflexion-là. C'est-à-dire que même si on nous commande un produit standard, on vérifiera qu'il correspond bien à votre besoin. Si un éco peut suffire, on proposera un éco, bien sûr, puisqu'il est plus économique. Sachant que l'autre version, elle sera plus robuste, visuellement, elle sera plus étoffée et elle sera par contre déclinable avec tout un tas d'options que n'a pas la gamme Eco, mais qui remplit tout à fait son usage. Elle ouvre, elle ferme, il y a des contrôles d'accès, il y a des motorisations, il y a des serrures Lossinox sur tous nos produits, avec ce qu'on appelle la serrure à flèche. D'accord. C'est aux normes ? Obligatoirement, la norme est fabriquée en France, bien sûr, comme on aime à le rappeler. Donc, voici quelques visuels de la gamme Eco pour se rendre bien compte de ce que c'est. Hein. C'est du baraudage, c'est des sections qui sont robustes, mais comme on l'a dit, suffisante pour certaines ouvertures, avec le strict nécessaire aussi, on a oublié de le dire, mais une serrure Lossinox. Ah oui, surtout nos deux gammes. C'est ça. Du coup, si on passe sur la gamme standard, qu'est-ce qu'elle a de plus que la gamme Eco ? Eh bien, elle a ce que l'Eco n'a pas. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de les avoir dans tous les râles possibles et imaginables. Il y en a à peu près 200. La garantie anti-corrosion passe à 10 ans. La motorisation reste inchangée à 2 ans. Mais pour le coup, là, vous avez toutes les... En fait, c'est un produit optionnel. C'est-à-dire que vous pouvez modifier tous les éléments de la structure, que ce soit la dimension des poteaux, la section des poutres, la largeur des barreaux, la hauteur du ventail, la longueur, etc. Vous avez aussi tout ce qui est sécurité, les organes de sécurité. Vous avez aussi tout ce qui est serrure et accessoires. On parlait souvent dans les mairies, c'est utile, les cylindres pompiers. Ça, par exemple, sur l'Eco, vous ne pourrez pas avoir cette adaptation-là. Tout ce qui est centre-ouvrant, vous allez avoir aussi tout ce qui est accessoires de commande. Et si on revient sur la motorisation, vous pouvez bénéficier de poteaux coffres, etc., qui permettent l'intervention de maintenance préventive ou curative. C'est vraiment du sur-mesure. Oui, on s'adapte. On s'adapte et dans notre catalogue, à partir de la page 46, on a détaillé tous les éléments optionnels, ce qui vous permet d'avoir un produit à la carte. Ce qui explique que les produits sont fabriqués à la commande et on a un délai sur des râles standards entre 4 et 5 semaines. Ça tombe bien que vous parliez des râles parce que du coup, sur l'Eco, on a 3 coloris standards et sur le gamme standard, justement, on a 6 couleurs disponibles de base et jusqu'à 200 coloris, donc les râles, en option. Hein, si vous souhaitez faire...
les couleurs du blason de votre mairie, les couleurs du stade de foot, c'est possible, tout est personnalisable. Le remplissage aussi, hein, puisque un portail, c'est une structure dans laquelle on vient remplir effectivement, et là, on peut tout avoir. Voilà, donc classiquement, on a du barreau 25-25, 30-20, mais on peut tout aussi bien y faire de tiers un tiers aussi de remplissage tôlé, tout tôlé, tôlé micro-perforé, des coupes laser, pourquoi pas. Tous les remplissages sont possibles et imaginables. Encore une fois, optionnel. On prend ou on ne prend pas. Et à chaque fois, vous avez le tarif qui correspond à votre option. Donc vraiment, full option, personnalisable, avec du barreau, de la grille, de la tôle, même du panneau pour avoir une continuité de votre clôture. Donc ça, c'est possible. Et dans toutes les, tous les coloris, pardon. L'avantage aussi de la gamme standard, ils sont pré-réglés en usine et pré-câblés en usine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça, c'est dans le cas où vous faites le choix d'une motorisation. Ce qui veut dire que le produit sera testé en usine sur un banc spécialement adapté pour. On va venir tester bien sûr la fonctionnalité du moteur, le contrôle d'accès, les bips, hein, c'est le premier système d'ouverture, mais aussi les éclairages de zone, les bords palpeurs, hein, qui sont un élément de sécurité important, hein, puisque c'est des éléments de contact. Si jamais, dans le cas de l'ouverture ou de la fermeture, vous avez un enfant qui passe, en tout cas dans le cas d'une fermeture, le bord palpeur, si en contact, en fait, va repartir en arrière. Les cellules aussi, hein, pour voir si elles sont bien fonctionnelles, ce qui nous permet, nous, de vous proposer une garantie de fonctionnement à la livraison. J'ai répondu ? Parfaitement. Donc voilà la gamme standard, hein, où on peut tout personnaliser. On a les pivotants, les autoportants, les coulissants, tout est là, tout est disponible. Un petit point sur la motorisation. Justement, il y a une différence entre les motorisations dans le standard. Dans la gamme standard, il y a les portails qui sont motorisables et motorisés. Oui. Et ça, tout le monde a compris la différence, ou presque, mais je vais quand même me permettre de préciser. Donc, quand vous achetez un manuel, il a une serrure. Ça fait partie de la norme. Quand vous achetez donc une serrure, une poignée, etc. Nos serrures sont à flèche, d'ailleurs, ce qui permet l'anti-intrusion. La différence entre motorisable et motorisé, donc il faut partir du manuel. Donc manuel égale serrure, motorisé égale moteur. Le motorisable, il vous sera livré avec une serrure, mais on y aura fait les adaptations parce que vous aurez l'intention plus tard de le motoriser. Donc à ce titre-là, on aura fait ce qu'on appelle des trappes de visite qui vous permettra de câbler vos poteaux. On a parlé des organes de sécurité tout à l'heure, les éclairages de zone, les feux clignotants, etc. Ça vous permet facilement de faire une motorisation ultérieurement. Il vous suffira de démonter la serrure, d'y venir y apposer des bords palpeurs, d'avoir des bouchons cache. Et dans le cadre d'un autoportant, d'un coulissant, on y appliquera aussi une surlongueur. Je parle un peu vite. Hein. Et pour les pivotants, si vous voulez motoriser un pivotant, il faudra que dans ces cas-là, dans sa construction, dans sa fabrication, on y appose ce qu'on appelle des traverses pour pouvoir y mettre les bras en fait, d'ouverture. Voilà. Contre le motorisé qui, lui, est déjà tout installé. Un motorisé, tout est installé. Voilà, il n'est plus qu'à poser. Donc, si vous êtes si on réfléchit un petit peu à l'installation d'un portail automatisé, il est bien de faire le génie civil en amont. Nos portails sont livrés avec insert, c'est-à-dire que c'est une partie en fait que l'on vient insérer dans le sol. Quand le portail arrive, il suffit de fixer les poteaux sur platine en fait, hein, sur l'insert qui sera scellé dans le sol. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à raccorder les éléments de liaison pour la motorisation. Et j'ai envie de dire, en 2 heures, c'est posé, câblé, validé. Donc, assez simple et accessible un petit peu aux équipes techniques. Voilà. Il faut quand même un automaticien parce qu'il faut délivrer, comment on appelle ça, une certification. Ouais, une certification grâce aux différents livrets qui sont fournis avec le portail. À ce titre-là, il validera aussi le numéro de série du portail qu'il apposera dans le livret d'entretien puisque les garanties sont valables. C'est comme dans l'automobile, elles sont valables si vous entretenez le portail. Et pour ce faire, il faut se référer à la notice d'entretien. Parfait.
On va faire un petit point maintenant sur la réglementation, toujours en parlant du portail. Mais voilà, un portail, ce n'est pas seulement un dispositif de fermeture, c'est vraiment bien plus. Le premier élément auquel on pense, c'est surtout la sécurité, sécuriser l'accès aux espaces, que ce soit des bâtiments, des enceintes, des parkings. Donc, il y a une délimitation et une sécurisation avec des pics défensifs, avec une hauteur qui ne permet justement pas le franchissement. Le deuxième point important, c'est l'image que peut avoir votre mairie à travers le portail que vous allez mettre en place. La modernité, la robustesse, on peut le faire, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la gamme standard, à vos couleurs. Ici, on a un exemple sur le stade toulousain. On peut le faire tollé, on peut le faire avec plus ou moins de visibilité, de discrétion ou pas. On peut vraiment le faire à votre image. Donc, un portail, c'est vraiment plus qu'un dispositif de fermeture. Le portail, c'est aussi autre chose. C'est du contrôle d'accès. C'est ça. Tu veux que j'en parle maintenant? On peut en parler maintenant sur l'automatisation de l'accès, le confort et aussi la gestion un petit peu de l'accès. C'est une des plus grosses problématiques aujourd'hui. Comment on gère le contrôle d'accès, c'est aussi difficile que de gérer les clés. Si on n'a pas le bon outil. Aujourd'hui, c'est compliqué. Vous avez des badges, comment on reprogramme un badge, à qui je l'ai donné, etc., etc. Nous, on est pro, je peux le dire, Intraton. Voilà. C'est ça. Donc, c'est vraiment un contrôle d'accès personnalisé et personnalisable à souhait. Plusieurs ouvrants, plusieurs types d'ouvrants reliés à ce qu'on appelle des horloges. Ça détecte vos jours fériés, vos heures d'ouverture, vos heures de fermeture. On est capable de dire telle personne, je veux lui donner accès, mais tel jour ou telle heure ou les deux, etc., etc. Il y a mille et une combinaisons possibles. C'est une gestion simple des accès. La seule chose qu'il suffit, c'est d'avoir un accès Internet. On va le voir encore un peu plus en détail. Je fais un petit point sur la réglementation. On vous laisse sera lire l'article. On va pas lire. Voilà, c'est un petit peu. Non, je rappelle juste quelques points importants. Il y a un arrêté du 9 août 2006 qui stipule que le marquage au sol, le feu clignotant et l'éclairage de zone sont obligatoires sur les portails à manœuvre automatique. Ça, c'est important parce que même sur Toulouse, j'en ai vu beaucoup où il y a pas du tout la signalisation au sol. Donc, il faut faire attention parce qu'en cas d'incident, bon, les responsabilités pourraient être engagées. Donc, il faut absolument respecter cette norme. Donc, les feux clignotants, les éclairages de zone, nous, c'est de série sur nos ouvrages. Donc, il n'y aura pas de souci. Maintenant, la mise en œuvre du marquage au sol, elle incombe à l'installateur. À l'installateur et à l'usager. Et d'ailleurs, c'est l'installateur qui a l'obligation de protéger l'accès de la zone de refoulement, donc derrière, au niveau où ça bouge, en supprimant les risques d'écrasement, de cisaillement, etc. Donc, c'est vraiment votre installateur qui va prendre en compte tout cela et mettre aux normes tout cela. Ça, c'est important pour imager ton propos. En fait, vous avez un coulissant, donc le portail ISO. Vous avez une clôture, si on se met vu de l'extérieur du site, donc vous avez une clôture. Vous avez un coulissant qui va s'ouvrir sur la gauche. Si au moment en fait, où le portail coulisse vers la gauche, un enfant vient passer le bras dans la clôture et peut de la même manière accéder au barreau du portail, mais là, on est dans une zone de coincement, une zone de cisaillement, et l'enfant se fera très mal, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les bords de sécurité, ils sont sur les poteaux, enfin, ils sont dans la zone de mouvement, en fait, hein, mais dans le mouvement extrémités. De passage, exactement, mais ils ne sont pas sur la zone de refoulement. Là aussi, j'ai vu bon nombre d'installations où le refoulement n'est pas du tout protégé, et si on vient mettre un bras, surtout un bras d'enfant, dans un portail qui coulisse, malheureusement, c'est une fracture au minima. Forcément, avec vos accès à définir sur les stades, les équipements sportifs et autres, les écoles, bien évidemment. Bien sûr. Surveillez ça, regardez ça de près. Nous pouvons évidemment vous orienter vers des poseurs certifiés, puisque nous sommes partenaires avec de nombreux installateurs à travers toute l'Occitanie, hein, et ils sont certifiés, ils connaissent parfaitement nos produits et les normes aussi, justement. Il y en a quelques-uns qu'on vous cite ici, mais le choix de l'installateur, forcément, il est hyper important. Oui, parce qu'ils sont concernés par la sécurité tous les jours. Ils connaissent parfaitement nos produits, savent parfaitement les mettre en œuvre et ils seront tout à fait à même de pouvoir critiquer dans le bon sens du terme une installation ou le choix d'un produit. Et généralement, ils possèdent des poseurs, vraiment structurellement, qui font les trous et sa maçonnerie. Et puis, il y a aussi l'automaticien. Oui,
ils ont tous leurs automaticiens. L'automaticien qui va s'occuper du câblage, du réglage électrique, etc., du moteur, du portail. Donc là, on vous propose quelques réalisations. Vous voyez qu'il y a des accès de stade avec du coulissant, il y a du devanteau avec du skatepark, avec du multisport. Vous avez des choses qui sont en périphérie, sur du parking. Il y a pas mal de choses qui sont envisageables, qui sont faisables, motorisées toujours ou pas, avec des accès contrôlés ou pas. Vous avez des remplissages notamment de tôles où on voit à travers. Vous avez là un exemple en bas avec un très très grand portail avec à côté le portillon qui vous laisse passer du passage piéton ou vélo sans pour autant devoir à chaque fois réouvrir les 10 ou 12 mètres de portail. En haut, vous avez quelque chose qui a été tôlé avec du micro perforé où on laisse voir à travers quand on est à l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Donc, il y a pas mal de possibilités et d'adaptations qu'on peut faire sur ce type de portail. Vous avez ici un autoporté assez long, on voit la motorisation. Vous avez encore du coulissant, vous avez aussi de la couleur. Vous le voyez, le bleu, on peut tout personnaliser. On peut mettre de la tôle en partie basse, du baraudage. Tout ça est disponible et tout ça à votre image, ou en tout cas avec quelque chose qui va rentrer dans le cadre aussi esthétique de votre mairie et en prenant en compte toutes les normes et toutes les directives peut-être des Monuments de France et autres. Un point sur le contrôle d'accès. Et oui, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tout le monde connaît cette phrase, mais le contrôle d'accès, on le connaît un petit peu moins. Donc, si vous souhaitez contrôler vos accès à distance, avoir un historique de qui essaye d'ouvrir ou qui ouvre vos accès, autoriser des personnes sur certains accès uniquement, gérer des plages horaires personnalisées, autoriser des personnes à ouvrir des accès avec leur téléphone à distance, oui, c'est possible. On a la solution et ça s'appelle Intratone. Donc, on va vous détailler un petit peu toute cette technologie et c'est vraiment de la technologie au service du contrôle. Un point sur le contrôle d'accès, chez Intratone, c'est une centrale unique hébergée en ligne. C'est facile d'accès, même sur un téléphone. Il vous suffit d'une connexion Internet sur un téléphone, sur un PC portable, sur un PC fixe pour gérer tous vos ouvrants. Donc, c'est une mise à jour en temps réel. Vous pouvez bloquer, débloquer un accès ou l'accès à quelqu'un ou un groupe d'individus en temps réel. Il suffit de quelques dizaines de secondes pour mettre à jour la centrale en ligne, encore une fois. Et ça vous permet de bloquer, débloquer des accès. On a possibilité de contrôler plusieurs enceintes, plusieurs bâtiments avec une seule gestion centralisée. Donc chez Intratone, ça s'appelle des résidences. Vous pouvez avoir le parking de la médiathèque, vous pouvez avoir le portail de la police municipale et les deux autres portails des espaces verts à gérer. Vous pouvez gérer tout ça en même temps sur un seul endroit, sur une seule connexion. Donc, c'est plutôt pratique et ça vous permet, comme tout à l'heure on le disait, d'éviter à multiplier les badges, d'éviter de multiplier les clés et de ne pas savoir les gérer si votre chef de la police municipale est en congé ou si c'est cassé une jambe et que les espaces verts sont malades. On ne sait pas où sont les clés, on ne sait pas qui peut les avoir. C'est parfois difficile à gérer quand on a un grand nombre d'accès. Donc là, vous pouvez centraliser et les accès et le contrôle d'accès en un seul endroit. Donc, dans chaque enceinte, en plus, chaque portail peut être piloté séparément. Et vous disposez, en plus, d'un historique de qui a fait les requêtes, donc qui a demandé à ouvrir quel accès, quand. Donc, vous le voyez, quel BIP a ouvert quel portail, à quelle heure. Ça vous permet d'avoir un contrôle, puisque la confiance n'exclut pas le contrôle. La vérification, c'est sûr. Pour revenir sur les clés, on peut pas une clé physique, on peut pas la désactiver à distance. Là, dans cet exemple-là, Benoît a perdu son trousseau de clés et puis comme un bon collaborateur, il a précisé que c'était le bip du portail espèce de l'avenue de la gare à Portet-sur-Garonne. Bon, mais s'il me dit qu'il l'a perdu, eh bien, je peux tout de suite aller sur l'environnement et je déconnecte son bip. C'est-à-dire que si quelqu'un retrouve son bip, il est devenu inactif, en fait. Et je t'en recode un autre, la moyennant une petite sanction, bien sûr, hein, puisque tu n'as pas le droit de perdre tes clés, ni ton badge. Mais pour autant, voilà, c'est vraiment une interactivité immédiate sur la gestion du parc, des ayants droit et de tous les badges ou les clés mobiles, ouais. Qu'on peut faire sur téléphone mobile, aussi sur téléphone. L'accès. Donc, c'est vraiment en temps réel,
on est averti qu'il y a une clé qui a disparu ou qui n'est plus valide, on peut la débloquer et enfin on peut la bloquer, pardon, et on peut la débloquer si jamais on la retrouve. Donc c'est aussi autoriser des personnes sur certains accès uniquement. Si votre police municipale a le droit d'accéder au parking de la police municipale, c'est très bien, mais si les espaces verts n'y ont pas accès, si ce n'est pas au même endroit, il n'y a pas de raison, donc on bloque certains accès. Et si le tout est au même endroit, mais qui est séparé par plusieurs portails, vous pouvez séparer les accès, les uns ayant accès, les autres n'ayant pas accès. Donc, les droits d'ouverture de chaque personne, c'est géré pour chaque portail ou portillon de façon indépendante. Et comme on le disait, on peut bloquer, débloquer des accès sur un groupe d'individus ou une personne unique. Donc, si par exemple, toute la culture, tout le pôle culture a accès au portail de la médiathèque, ben, vous pouvez automatiquement désactiver tout le monde ou désactiver que la stagiaire qui est venue pendant 2 semaines à la médiathèque et aider le pôle culture. Ça peut être le personnel d'entretien. On dit lui, il a accès, c'est tous les jours, sauf le dimanche, mais de telle heure à telle heure, par exemple. Voilà, les services de nettoyage ou certains services. Voilà, on peut vraiment activer, programmer et on peut effectivement programmer des plages horaires puisque on peut les personnaliser pour chaque accès ou chaque groupe. Le pôle culture, c'est de 8h à 9h où vous avez accès. En dehors de ça, pas le samedi, pas le dimanche. Les personnels d'entretien, c'est entre 18h et 19h, pas le samedi, pas le dimanche, etc. Tout est modulable. On peut créer aussi des jours fériés spécifiques. Ça prend en compte les jours fériés normaux. Mais ça permet vraiment de moduler tous vos accès et de les contrôler. Soit on décide que le portail s'ouvre tous les jours entre telle heure et telle heure. Grâce à l'horloge. Voilà. Soit on décide qu'il se ferme entre telle heure et telle heure tous les jours. On peut planifier plusieurs zones hein, sur la journée, entre midi et deux pour les collaborateurs, fermer le soir automatiquement. Les bips et les accès mobiles passent toujours au-dessus de la fermeture. Donc, on peut toujours ouvrir, fermer si on a un bip. Et on a accès de toute façon sur Internet à la centrale qui vous permet de gérer ça à distance si jamais vous aviez un conflit entre telle et telle plage horaire. Et la gestion GSM aussi permet, si vous ne souhaitez pas donner un accès permanent ou codifié hein, tel jour, telle heure, etc., vous pouvez tout à fait ouvrir, actionner l'ouverture à distance grâce à la… Ça tombe bien, c'est une excellente transition, puisque grâce à cette technologie, ça s'appelle clé mobile chez Intratone, vous enregistrez le numéro de téléphone de la personne. La personne, elle, va pouvoir appeler le portail. Il va reconnaître le numéro de téléphone comme autorisé sur cette plage horaire et sur ce portail. Et donc, il va pouvoir ouvrir le portail. L'avantage, c'est que vous pouvez faire ça à distance de n'importe où dans le monde. À partir du moment où le numéro de la personne a été encodé et qu'elle connaît le numéro de téléphone du portail, si ça match, c'est bon, ça va s'ouvrir. Donc, si vous avez un collaborateur qui est loin, qui a perdu son badge ou autre, vous pouvez appeler quelqu'un à l'autre bout de la ville. Il pourra vous ouvrir le portail directement avec son téléphone. Pareil, ça se bloque, ça se débloque à distance. On peut ouvrir pour un tiers. Donc, c'est quand même toujours très, très pratique et appréciable. On est parti en catastrophe vite fait. On n'a pas pris le badge et pourtant, il faut repasser à la mairie chercher quelque chose. Eh bien, hop, pas besoin avec son téléphone. Ça fonctionne. De nos jours, on a toujours son téléphone sur soi. C'est la seule chose que tu ne perdras pas, je pense. Voilà, c'est assez rare. Donc, c'est mieux que gérer beaucoup de bips, gérer beaucoup de badges et autres. Vous avez votre téléphone, on autorise le téléphone, on le bloque, on le débloque, c'est facile. Voilà. Alors après, ça reste compatible avec les contrôles d'accès plus classiques, comme un lecteur de badge, comme un digicode, comme un visiophone, etc., etc. On peut le couper. Enfin, il y a multiples possibilités. Justement, on a chez Space une gamme complète de produits. Hein. On vous propose aussi tout ce qui est visiophone, digicode, capteur d'empreintes, lecteur de proximité. On l'a vu dans les accès au portail. Vous n'avez même pas besoin de descendre de la voiture. Vous allez pouvoir juste badger si vous préférez un accès badge. Et on a aussi toutes les gammes de serrures accessoires compatibles, hein, que ce soit les gâches électriques pour les portillons, les ventouses, les fermes-portes, etc. À émission ou à rupture, hein, ça reste fermé ou ça reste en ouverture en cas de coupure d'électricité. On a les deux, ça c'est important. Et tout ça peut être géré par la centrale Intratone. Bien sûr. Quelques petits points sur Intratone. Est-ce qu'il y a un abonnement? Est-ce qu'il y a des choses Non, alors pas d'abonnement, il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas besoin. Alors même si c'est une technologie GSM, le numéro est valable 30 ans. Bon, je pense que je ne sais pas dans quel état sera le site au bout de 30 ans, mais en tout cas, l'abonnement est valable 30 ans, mais sans aucun frais supplémentaire. Et ça n'a pas de prix. Le numéro est valable 30 ans sans abonnement, pardon.
Donc, c'est un petit récepteur HF qui se branche facilement. Les installateurs avec lesquels on travaille ont l'habitude de travailler sur ça, ont l'habitude de les programmer et vous aident aussi à prendre en main la gestion à distance de vos ouvertures. On a aussi d'autres solutions qui peuvent répondre à vos problématiques, hein, les mairies, les comités d'agglomération. Puisqu'en tant que spécialiste de la gestion des accès, on peut vous proposer d'autres produits que le portail, comme les bornes escamotables. Malheureusement, on en a de plus en plus besoin. Les barrières levantes, les bornes à chaîne et voilà, toutes ces infrastructures un peu plus lourdes, on va dire, de dissuasion ou d'obstruction. Donc, on a un réseau pareil d'installateurs et de poseurs. Ouais, il y a les speed gates, qu'on appelle les portails à ouverture et fermeture ultra rapide, qu'on ne peut pas présenter là, mais qui sont vraiment des technologies adaptées aux sites sensibles. Voilà. Et qui proviennent, comme on l'a dit en préambule, hein, on est associé à un grand groupe maintenant, leader sur certaines technologies, donc on bénéficie, on peut vous proposer de leur savoir-faire et des choses vraiment, vraiment importantes, intéressantes. Voilà, on en termine tout doucement avec ce PowerPoint, cette présentation, ce webinaire pardon, sur les portails. Sachez que sur le site Espèces, vous allez retrouver toutes les fiches produits concernant les portails, les clôtures, etc. Donc, www.espèces.fr, il y a un menu médiathèque, vous allez pouvoir retrouver les fiches produits, les télécharger. N'hésitez pas évidemment à nous retrouver sur le stand 70 lors du Salon des maires 2021. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver aussi sur le site du Salon des maires les deux webinaires d'Espèces, celui d'aujourd'hui qu'on vous propose sur le portail le contrôle d'accès et les équipements sportifs concernant notamment les stades qui sont déjà en replay. On a notre collaboratrice Nathalie qui est dédiée à vous les mairies et les professionnels. Donc, elle est joignable par téléphone, par mail, via la fiche de contact sur notre site. Elle est vraiment elle a l'habitude de travailler avec les mairies, elle connaît vos processus de commande, de bons d'achat, de paiement, etc. Donc, elle sait vous répondre rapidement sur les produits qui sont le plus utilisés en mairie. Et c'est vraiment quelqu'un qui est à votre écoute, à votre service pour vous répondre assez rapidement. On va en finir. Je vous remercie tous pour ce webinaire. Nous vous attendons tous sur notre stand dans le cadre du salon et bien évidemment dans notre établissement à Espèces, Avenue de la Gare à Portée-sur-Garonne. Merci. Merci Benoît. Merci, à bientôt. Au revoir.